À côté, une fois j'étais assis. À l'époque, je servais à la com. Et on faisait le culte. Et le pasteur m'amène, l'homme de Dieu, est en train de prêcher. C'était puissant. Mais il y avait deux soeurs qui étaient assises devant moi. Et ces soeurs-là, elles étaient en train de causer. Et le pasteur, à l'époque, il n'avait pas encore le système de maquillage, mais comme ça. Et parfois, à force de parler, ses lèvres devenaient sèches. Donc, il est en train de prêcher, il fait comme ça. Juste pour essuyer ses lèvres. Les deux soeurs qui étaient devant moi, elles touchent sa copine comme ça. Il dit, hey, tu vois le pasteur? Il amène une lave ses lèvres là. Faut arrêter. Amen. Faut arrêter. Ça veut dire qu'elles sont défocalisées du message. L'homme de Dieu qui fait ça pour ne pas que ses lèvres soient sèches, elles ont trouvé un moyen de s'irriter. Non seulement elles sont irritées, mais elles laissent les esprits des eaux rentrer encore pour les influencer. On dirait de les gifler même. Ça dit que. Amen. Mais si elle faisait ça, le M, ça allait venir m'attraper. On dit il y a un démon ici, esprit. Amen. Amen. Donc, chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, cet esprit qui va commencer à t'amener à regarder, à te détourner du message, pour regarder tout ce qui est un peu bizarre, c'est un esprit démoniaque qui vient essayer de te pousser hors de ta famille. Pourtant, c'est dans cette famille-là que Dieu se te bénit. Tu n'as pas dit amen. Hein? Le voisin qui est à côté de toi, la voisine qui est à côté de toi, tu n'as aucune idée de ce qu'elle est. Ah non, ici là, ils sont pas bien chauds. J'allais derrière là-bas.